Bonjour, c'est Isos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait trop plaisir de faire cette vidéo, vraiment, je suis ravi, vous allez comprendre dans deux petites secondes, mais vous voyez déjà qu'il y a des têtes, voilà, que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà vu, c'est incroyable. Avant de commencer, juste un grand merci au studio Headroom Prod qui nous accueille aujourd'hui. Il régale, regardez-moi ce studio fantastique, j'ai envie de passer ma vie ici, en fait, tout simplement. Je vous mettrai les liens dans la description si vous cherchez à enregistrer sur Paris, voilà, n'hésitez pas. Aujourd'hui, vidéo particulière parce que je suis accompagné des frérots Berry Wham, quand même. Quelle vie, Berry Wham, vous avez déjà dû les voir passer, c'est sûr, sur TikTok, ils sont partout, vous avez bientôt 7 millions d'abonnés sur TikTok. Vous vous rendez compte qu'en fait, 10% de la population française en équivalent est abonné à votre TikTok. Dit comme ça, j'avoue, c'est impressionnant. Alors moi c'est Beastie, moi c'est Ritmine, moi c'est Bitness, et moi c'est Wawad. On est le groupe Berry Wham, on est les champions du monde de beatbox, et ça nous fait plaisir d'être avec le frérot Isos aujourd'hui. C'est beau quand même de pouvoir dire ça, on est les champions du monde. Ah c'est vrai, il faut le rêver. C'est pour ça qu'on le cale dès qu'on peut. Attends, est-ce que... C'est bon, la vidéo est bonne. Voilà, c'est bon. Aussi, chose très importante, vous avez sorti un single récemment, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on a sorti notre tout nouveau single qui s'appelle Give It Up, qui est disponible partout sur toutes les plateformes de stream. Allez écouter. Il y a l'album qui arrive aussi dans pas longtemps, la tournée qui reprend aussi. Donc ça fait plaisir. Voilà, l'actu commence à revenir là. N'hésitez pas à aller checker, de toute façon, il y aura des images de clips sûrement ici, entre mes mains. Voilà, le clip est magnifique, n'hésitez pas à les regarder, hein, vraiment. En tout cas, moi je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Le concept, qu'est-ce que c'est? C'est un concept de duel, on va se fighter. C'est beatboxer versus beatmaker. Quel va être le challenge? Donc en gros, le concept est très simple, ça va être un battle. Nous contre Isos, en gros ça va être beatbox versus beatmaking. Donc on va commencer avec Isos, il va nous mettre une petite prod. On va devoir refaire un beatbox, on aura combien, 10 minutes? Ouais, 10-15 minutes max. Allez, on a... Tu vois, genre petit challenge. Allez, allez, on va prendre 10 minutes. Monsieur, attends, je sens des trucs très complexes. Il y a le jeu et il y a le manque d'assurance à côté. Non mais c'est je sais que tu peux nous faire un truc bien 10, complexe. Mais possibilité de déborder, voilà, sur 15, allez, en allez. Fonction de la sauce dans laquelle je vous mets. Donc en gros on aura 10 ou 15 minutes pour reproduire la prod de Isos, donc 100% vocal en beatbox. Et ensuite inversement, nous on va lui faire une prod 100% beatbox et Isos aura du coup 10 ou 15 minutes pour le refaire version beatmaking. Et ça va être extrêmement technique parce que la voix humaine peut moduler là où un logiciel c'est compliqué. Et on a prévu des petites voilà. De toute façon, je le sais, là, la caméra n'était pas lancée, ils ont clairement dit qu'ils allaient me mettre dans la sauce. Je compte le faire aussi, on va s'amuser. Voilà. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la manche 1. C'est parti. Let's go. Round 1. Beatboxers versus Beatmaker. Round 1. Bon, c'est parti, première manche, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez messieurs, je vous ai préparé une prod. Ouais. Alors, je vais commencer directement, j'ai pas été tendre. Je pense que là, ça doit faire. Il y avait rien sur l'écran. Et en fait, je me demande comment ça peut être produit en beatbox. Voilà, est-ce que vous êtes en confiance? Ah ouais? Bah, avec. Niveau son, c'est. Ok. Ouh! Ok, alors c'est le petit teasing. Est-ce que c'est technique? Quoi? Oh oui. C'est très technique. En fait, ce qui est technique, c'est la drill dans le beatbox, c'est vraiment pas encore développé. Ouais. Donc les placements, tu vois, c'est. Ce qui est dur à faire, c'est les glides de basse. Et les glides de basse. Ouais, bah ouais, c'est ça, le plus dur. Du coup, on se dit quoi? On se dit 10-15 minutes? On se dit 15 minutes plutôt. Vas-y, je vois lui tout à l'heure, il est pas seul. Non, mais... Moi, je vais partir, j'aurai la surprise. Ils ont 15 minutes. C'est parti. Bon, les frérots, vas-y, bon courage. Bah, merci. Moi, je pars et puis je reviens dans 15 minutes, on va voir. Allez, vas-y, on va taffer. A tout courage, les gars. Vas-y, à toutes. Bien, on essaie le début, on s'en. Allez. Et on n'a pas le droit pour l'instant. Toi tu t'occupes pas de partie rythmique, tu fais que les... On fait mélodie à deux, enfin il fait le... Tu sais le sort de petit glide. Ok d'accord. C'est vraiment pas facile, en fait ce qui est pas facile c'est le... Les mélodies là, il y a deux notes dans la mélodie. Il y a des textures vraiment marquées, c'est très dur de les refaire en beatbox et d'avoir vraiment ce côté produit. Mais déjà l'intro ça donne bien, là l'intro c'est cool déjà. Du coup je te fais ce kick, le dernier kick dans le sub. J'ai pas besoin de le faire. Ah je vais... Ouais c'est bien, vas-y on le fait avec la prod tous dans sa tête et après on le fait sans la prod. Alors en gros, pour vous expliquer brièvement qui fait quoi, Ritmine du coup il s'occupe de la partie. L'intro je fais la rythmique et après je pars sur le sub. Ness. Moi du coup je commence par la basse. Ensuite, je prends le rythme et je refinis par la basse. Et donc moi, je vais m'occuper de la partie mélodique, le sur l'intro et le drop.
Je monte d'une octave. Et puis moi, du coup, je vais essayer d'harmoniser ce qui fait une partie. Et en même temps, je vais essayer de faire les petits contre-champs qu'il y a entre les... Et je pense qu'on est pas mal, les gars, là, non, ouais, en vrai. C'est l'heure, ça fait un quart d'heure. Maintenant, on va appeler Isos, c'est parti. Ça s'est bien passé? Ouais, c'est compliqué, hein, ouais. Mais c'est bon. J'ai trop hâte d'écouter, j'ai tellement hâte d'écouter. Ce que je vous propose, c'est d'aller en cabine. Allez, moi, je vais me poser là. Et tu on écoutes va voir comment ça sonne. Allez, allez, c'est parti. Let's go. Let's go. Bon, du coup, Berry Wham est parti en cabine. Ils sont à côté, on n'a pas le son. Du coup, j'entends pas. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, vous les voyez avec l'autre caméra maintenant. On est parti, il faut que je respire un moment. Ensuite, vous me revoyez ici. Vous retournez sur eux. 5, 6, 7. Let's go! Mais que demander de plus? Est-ce que c'est la prod originale, finalement? Je me pose la question. Non, en vrai, vous avez d'être ça de fou. Hein. En plus, il y a tout, donc incroyable. Mais franchement, ça sent pas que ça a été galère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Genre là, c'est fluide, ça sonne de ouf et tout. Même au niveau des basses, tu vois, j'étais en mode, les slides de basses, comment ça va être appréhendé? Et là, j'ai entendu tout. Ouh, j'ai fait... Oh, et bah, écoutez, let's go, manche suivante. Manche suivante, c'est parti. C'est parti. Beatboxers versus Beatmaker. Round 2. Bienvenue dans la seconde manche. Est-ce que cette vidéo, est-ce que vous passez un bon moment? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, c'est important. N'hésitez pas à aller follow Berry Wham, bien évidemment. Prochaine manche, c'est vous qui allez me mettre dans la sauce. Ouais. Vous allez performer du beatbox et moi, il va falloir que j'en fasse une prod. On est parti? Allez, vas-y. Let's go. Let's go. On est bon. Ouh. Hey, oh, hey, y'a quelqu'un dans la salle? Non, on était en train de discuter normalement. Vous nous entendez ou pas? Bon. Let's go, on va voir ce qui m'attend. Merde, je crois que j'ai un problème. Allez. Tout va être complexe, tout. Wow. Logiquement, tu pourrais te débrouiller pour en faire... En fait, les drums, pas un problème. Oui, oui, c'est vrai. La basse, mais les sonorités, va falloir que je trouve des sonorités pour faire ça. Mais ce qui est relou, c'est que tu vois, moi j'étais en mode, oh bah va y avoir 4 pistes, 4 instruments, tranquille. Non, non, parce qu'en fait, par tête, il y a à peu près 14 instruments dans chaque corps, donc forcément, on a un problème. Je démarre à 30. 45, à 45, on est là. Vous êtes là. On est là. Let's go. Ok, bon, c'est à mon tour. Vous l'avez entendu, ils m'ont mis dans la sauce de ouf. C'est parti. Bon, d'ailleurs, faut que je trouve le BPM. Je suis en speed de ouf. Ok, on est à 158 BPM. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Je crois que c'est ça le rythme qu'ils font, s'ils disent pas de bêtises. Ok, j'ai le kick, ça c'est bon. Du coup, là, faut que je mette une snare. Poum. Et après, je crois qu'ils ont mis des hats tous les temps. Genre. Il reste combien de temps? 12 minutes. Ah, ils font des open hats dans tous les sens. En fait, le truc, c'est que de base, vu que eux, c'est de la voix, je peux pas refaire exactement la voix. Du coup, faut que j'interprète aussi un peu le bail. J'ai rajouté un peu de texture parce que eux, ils ont fait plein de hats quand même. Ok, maintenant les mélos, la basse. Je vais peut-être rajouter quand même quelques petites variations, histoire de leur faire un peu de surprise. Faut que je fasse une note vocale. C'est tellement technique. Est-ce que ça se voit que je suis stressé? Oui. Oui, ça se voit. Ok, nickel. J'aurais tellement pas le temps de rajouter toutes les variations qu'il y a. Mais au moins j'ai un truc qui sonne, mais j'ai tellement pas le temps, c'est terrible. 3 minutes, mais j'ai jamais le temps! Faut que je rajoute le... de perse. Aïe 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 aïe. Attendez, je me laisse juste 10 secondes. 10 secondes pour rajouter juste un truc et après c'est fini. Là c'est juste que vas-y. Ouais, le logiciel il a bugué de fou quoi. Trop bizarre. Vraiment trop dommage quoi. Du coup je dois rajouter du temps. C'est un truc de mal. Bon, ça fait 15 minutes. Honnêtement, je suis pas très très content parce que j'ai pas le truc complet. Bon, venez, on va aller chercher. Le temps est venu. 15 minutes ? C'est compliqué ! Il y a plein d'éléments qu'il y a pas. Il y a quelques éléments que j'ai pas pu mettre. En fait, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a tellement d'éléments. Mais est-ce que le cœur du... Le cœur y est. Ok. Le cœur y est. Parce que c'est un morceau qui nous tient à cœur, celui-là. Donc, j'espère que tu l'as bien fait. Ok, est-ce que vous êtes prêts ? Allez. Fait en 15 minutes. Et c'est... En fait, je me disais, pourquoi est-ce que je vous ai proposé ce challenge ? Je me mets vraiment dans la merde. Bon, allez, let's go. Ouh. Ah. Ah.
putain. Eh, franchement, est-ce que j'ai respecté le morceau? Respecté de ouf. Vas-y, c'est carré. Ah, si, t'as quand même respecté plein de choses, le petit. En fait, il voulait trop le caler. Il est beau, il est beau en plus. Parce qu'il est magnifique. Elle est belle la sonorité. Il y a des textures et tout là. Mais ceux ils sont bien gras comme. Tu vois, c'est. Ah ouais, là j'ai abusé, j'ai fait. Bon, j'ai pas le temps, je vais juste mettre du volume bien fort. Ça sonne, c'est bien. Et bah écoutez, prochaine manche. Let's go. Beatboxers versus Beatmaker. Round 3. Bon, bienvenue dans la troisième manche. À moi de faire écouter ma loupe, d'imposer quelque chose. Ça me permet de me poser 15 minutes, j'en ai bien besoin. J'étais à deux doigts de la WC tout à l'heure, je vais pas vous mentir. Que vous êtes prêts? Allez, on est prêts, on est chaud. C'est là. Parti. Bon, là, c'est du good vibe. En fait, en fait, ça paraît quand on écoute comme ça paraît simple, mais en fait, il y a les accords là. Et il faut qu'on soit 10 quoi. On peut remixer du coup. Ouais, bah oui. Bah parce que pareil, moi je me suis réapproprié un peu votre truc, tu vois, c'est pas OK, bon, peut-être que j'ai fait trop le bâtard en vrai. En fait, j'avais pas réalisé que c'est vrai ce bail d'Armand en fait. En fait, c'est ça, c'est les nappes. On en fait. Peut pas faire un accord. C'est vraiment les nappes là qui sont compliquées, mais on va se trouver une solution, t'inquiète. Ça veut dire ils vont être méchants après, ils vont me faire payer. Après, là, t'inquiète pas que t'inquiète. On t'a réservé une belle surprise pour on va racheter des breaks. Comme tout à l'heure, je vous laisse avec ça. Allez, vamos ouais. Les ouais. Gars. Let's go. Là, le début. Ah ouais, ça c'est fait déjà. Non mais d'abord on fait. D'abord on fait. Armo juste sans le beat. Là on t'harmonise du coup. Et là. Ouais c'est simple. Là on se répartit les tâches pour l'instant là. C'est un peu caca mais. Attendez 2-3 minutes. On peut pas faire tous les accords parce qu'on est que 4, mais ça rend bien, c'est cool. Bah là, on a quasiment fini là. On a quasiment fini. Au bout de 4 minutes, non, quand même. C'est juste qu'on peut pas faire, on peut pas faire plus au final. Ça s'accorde. Ben, alors on a choisi tous nos éléments. Du coup ça va être, on va même rajouter un petit truc. On va rajouter une petite intro un peu filtrée pour essayer de faire toutes les notes d'accord qu'il y a sans le beat. Et ensuite on rentre le beat et là ça part avec une note en moins. Mais du coup vu qu'il y a le beat qui rentre, ça peut, voilà. On va donner l'illusion qu'il y a tout. Voilà l'illusion, c'est le mot que je cherchais. Ça va faire illusion et ça va, on espère bien rendre. Là ce qu'on essaie de faire c'est le sidechain. C'est à dire que la basse est waouh waouh wow. Ouais, quand il y a le kick, ben essayer de faire en sorte que la basse ressort juste après en fait. On se permet même de faire ça avec le temps qui nous reste. On se mixe là, tu vois ce que je veux dire. On appelle Isos, c'est parti. On le fait une dernière fois ou pas? Une dernière fois. Ça fait vraiment les beaux genre. On le fait là-bas. Isos, viens, il reste 5 minutes. C'est ça qui est cool, c'est d'aller chercher la réaction de déjà. Isos, il est sorti même pas 15 minutes. Oh oui, les gars, frérot, du show. Vous avez fait ça en 10 minutes. Ouais, c'est bon. Vous n'imaginez pas la pression que vous avez. En fait, ils veulent me mettre dans la merde jusqu'au bout, c'est terrifiant. Vous êtes vraiment des acteurs. Quand je l'ai mis, vous avez fait oh non, c'est trop dur. Ah non, vraiment, en vrai, c'est dur. Il y avait pas d'acting là. Vraiment, on a eu un coup de pression. Bah, on va écouter ça, let's go. C'est parti, hein. Bon, ça se voit pas, mais j'ai une pression de ouf. Pourquoi? Parce que je leur ai mis un truc. Ils ont dit c'est compliqué. Ils l'ont fait en 10 minutes. 10 minutes. C'est bon pour vous? Du coup, là, on va écouter ça, trop hâte. Pam 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 pam. À tout moment, je me lance dans une carrière dans le beatbox. C'est bon pour vous, ça va? Bon, mais c'est parti pour le petit défi numéro 2. On est chaud, on est chaud. Let's go! À chaque fois, voilà. Il tue ça! À chaque fois, il tue ça! Bon, heureusement, on fait pas de système de points dans cette vidéo, mais parce que sinon, je suis cuit! Moi, c'est terminé! Et les armes au début, elles sont magnifiques! Ouais, ouais, je pense que c'est ça qu'on a rajouté! Trop assuré les accords, vraiment! Mais en fait, c'est ça qu'on s'est dit, tu vois, comme il y a un accord de 3 notes qu'on pouvait pas faire parce qu'il y avait beat, basse et plus la mélodie. Vous avez opté pour la lead, mais du coup, ça fait que, genre, même s'il y a pas les accords après, genre, vu qu'il y a plein de trucs autour, il se passe quand même plein de choses. C'est ça qu'on a compensé ailleurs. 10 minutes! Non, mais je comprends, champion du monde, pardon!
pardon, mais j'ai voulu faire des défis, c'est fini. Ça fait plaisir. Bravo. Merci. Maintenant, c'est pour toi le dernier là. Bah écoute, let's go. Allez, dernière manche, c'est parti. C'est parti pour la dernière manche. Beatboxers versus Beatmaker. Round 4. Bon, bienvenue dans la dernière manche. Là, Mary Wham sont en train de répéter pour le dernier extrait. Ouais, c'est ça, mais toi tu fais... C'est ça qui est bizarre en fait, ce moment-là. Qu'il va falloir que je refasse en 15 minutes. Et je sais pas si vous avez trop entendu, mais ils ont dit c'était un peu atypique, complexe. Je peux kiffer. Est-ce que je vais kiffer? J'ai 15 minutes. J'en doute. Mais on va voir, en tout cas trop hâte. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît. Ça diffère un peu des concepts que je présente d'habitude. Mais perso, c'est un kiff énorme parce qu'on passe un bon moment et c'est grave good mood. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Le pouce bleu, comme ça on fera d'autres trucs comme ça. Et puis, let's go. Et je suis Isos. C'est parti. Minha boca é o meu instrumento, você mexe a sua bunda. No ritmo do meu instrumento, você mexe a sua bunda. Você é bonita, muito bonita, muito bonita. Você é bonita, bo, muito bonita, bo. C'est officiel, je suis dans la merde. Bon courage. C'est officiel, c'est... Allez. Mais comment est-ce que je fais les voix, moi? En plus, niveau rythmique, quand t'as dit atypique, c'est exactement ça. C'est un baile funk, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est bien, parce que j'ai jamais fait de baile funk. C'est vrai? Eh ben voilà, c'est l'exercice, c'est le moment. Je sais même pas. En vrai, c'est fou. Là, je ne sais même pas comment aborder le truc. Oh, ben... J'avoue que, ouais, c'est... La voix, c'est... Je sais pas comment tu vas faire, voilà. Là, ça va être... Tu vois, en fait, on a rajouté, tu sais, les voix pitié. C'est un bon justement, on s'est dit, peut-être ça peut t'aider, tu vois, tu peux pitié, je sais pas quoi, du coup, parce que... Bah oui. Parce que moi j'ai pas le droit d'enregistrer de voix. Eh ben écoute, bon courage, on se voit dans 15 minutes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ciao, ciao. En fait, j'ai une requête. Est-ce que j'ai le droit de, juste pour la voix, me faire une note vocale iPhone et de la mixer moi? Carrément. Et de genre... ok, c'est bon. Bon, à tout à l'heure, hein. Je vais mourir d'un AVC. C'est des fous, ils me proposent un style musical que je n'ai jamais fait. Je pense qu'on va faire BPM, drums, comme ça on a la base. Déjà, faut que je fasse la première mélo, le... Ouin, 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 ouin. On va garder ça, on va la mixer direct. Voilà, on va limite partir dans un truc un peu électro, on va voir. Et en 4 minutes, oh, mais là vraiment, en fait, ce qui est terrible, c'est que je sais que je ne vais pas faire quelque chose de bien. Et ça, c'est très très frustrant. Ok, là, faut que je fasse la rythmique, alors attends. En fait, c'est le genre de truc que tu fais en beatbox, tu les fais pas dans la vraie vie. Déjà, il y a le drop de basse en mode pouh. Ça, faut que je le fasse parce que c'est stylé. Il me reste combien de temps? 8 minutes, waouh. En fait, ça rend bien, mais c'est pas tout à fait comme leur truc de base, on va dire. Non, c'est vraiment même carrément différent, je crois. J'ai l'impression de faire de la musique de soirée. C'est bon. Ça veut me faire. Attends, déjà, c'est... Le frérot, il attendait des vues tout à l'heure. Il guettait le regard. Ça ressemble pas du tout. Attends, faut que j'essaye de faire une note vocale. Mais à aucun moment, c'est la même musique. Je vais le laisser pour la blague, mais ça rend rien, on est d'accord, frère. Bon, c'est fini, de toute façon, je pourrais pas faire mieux, mais c'est terrible. Je suis tellement déçu de moi-même. Bon, on va aller chercher, hein. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est terrible ou est-ce que ça va? Moi, je pense que c'est vraiment terrible. T'as fini du coup? Bah, ça fait 15 minutes. Et bien de tôt, quoi. Non. Non. À aucun moment. En fait, déjà, ça ressemble pas. Le problème, c'est que vos bails de bail les feuilles, vu que je l'ai jamais fait, j'étais en mode. Ah, c'est dur. Ok, je fais quoi? Mais là, je t'avoue que même nous, on a galéré pour les placements et tout. Mais les placements, ils sont infâmes. Ils sont super durs, les placements. En vrai, je suis pas fier de moi. Déjà, ça, c'est terrible. Mais surtout, ça ressemble. Très 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 peu. Mais alors ah bon très très peu. Ouais. Non, non. En fait vos est-ce qu'il y a l'esprit? De loin. En fait, tu vois, toi t'es là, l'esprit il est dans la cabine. Mais on a pas activé le son. Du coup on n'entend pas l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est okay. Ça. Après c'est bien, c'est un petit remix et tout. C'est-à-dire cool, oui. On sait qu'il est là, mais alors sa présence, bon c'est discutable. Allez, on est parti. Mais franchement, il n'y a pas un quart de ce que vous avez mis. Vas-y, on va voir. J'ai honte. Oh, si. Très bien. Oh, I'm not.
hein. Tu vois, il y a l'esprit de loin quand même. Non, c'est plus afro. En fait, t'as fait un truc plus afro. En fait, c'est ça. Un truc afro. Mais en fait, le truc, c'est que moi, en fait, je connais deux choses. Je connais trois. Je connais les rythmes drill, les rythmes trap, les rythmes afro. Là, tu me sors un baile funk, je suis en mode. Attends, mais ça va où du coup? Mais bon, c'était technique. Mais bon, le challenge est relevé, oui. C'est l'essentiel. Mais on a gagné quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Dites-nous dans les commentaires, pour moi, ils ont gagné. Pour moi, ce qu'ils ont fait, c'était fidèle en plus. Moi, le premier, c'était un peu fidèle. Lui, c'était plus trop fidèle. Mais bon. Bon, eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle nous a plu. Elle nous a plu. C'est exactement ce qu'elle veut dire. Est-ce que vous avez kiffé le vibe? Bah ouais, trop bien. Franchement, c'était marrant, c'était challengeant et c'était. Franchement, moi, j'ai trop kiffé. C'était trop lourd, le concept est vraiment. Ouais, voilà, au-delà du battle, tu vois, le concept là d'échange, juste d'essayer des choses pour nous nouvelles. Ouais, c'est aussi nouvelles. Tu sais, c'est pas un beatmaker versus beatmaker, genre on n'a pas les mêmes outils. Exact. Vous avez le truc, c'est complètement différent, c'est trop bien. En tout cas, merci infiniment à vous, les gars. Merci à toi. Vraiment, ça tue. Je le rappelle, leur single Give It Up est toujours disponible. Le clip, n'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux, c'est super important. On se dit à la prochaine pour une future vidéo. Ciao. Peace.